Salut à tous, comme Fantin adore que je lui fasse des petites choses faites avec un rien, ben voilà, j'ai décidé de le partager avec vous et je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait ça, hein, ce petit Stewart mignon, avec trois fois rien. Alors, pour faire ce petit Stewart mignon, il va vous falloir un petit truc comme ça, marqueur noir, marqueur bleu, un crayon de papier, un peu de plaido noir, une paire de ciseaux et un petit ustensile comme ça. Et aussi, l'astuce, là, c'est un petit papier autocollant, blanc si possible, et une pièce de 1 centime qui nous servira à faire l'œil, voilà, de notre mignon. Allez hop, c'est parti. Je vais commencer par l'œil du mignon. Alors, pof, de notre Stewart. Ben, pour ce faire, je prends ma feuille, mon petit crayon papier, mon petit crayon papier décoré, et là je fais un petit cercle sur ma feuille, touc, voilà, qui sera donc mon œil de mignon. Et ensuite je prends ma petite paire de ciseaux, voilà, hop. Donc là, j'ai mon œil déjà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, eh ben, c'est tout bête, je vais faire l'iris de notre mignon. Voilà. Juste un petit point noir. Hein. Évidemment, vous pouvez glisser à l'intérieur, hein, deux, trois petites choses, des petits secrets, un petit mignon secret, ça peut être. Et ensuite, donc, hop, je préconise d'utiliser le marqueur bleu, et là, ben, va falloir être délicat. Hein. Donc, voilà, faire un trait tout autour de la base de notre mignon pour faire la salopette. Alors voilà, je vais faire un petit trait déjà pour délimiter ma salopette du mignon. Voilà, en faisant le tour. Et hop, voilà. Voilà, ensuite, je le colorie. Ah, mais avant, juste avant de le colorier entièrement, en fait, j'ai oublié, il faut faire les bretelles de la salopette. Alors, les bretelles, il faut le faire, vous voyez, là, il y a la charnière, hein, du couvercle, ici. Hein, et en fait, il vaut mieux faire les bretelles sur le côté de la charnière, de chaque côté. Hein, donc, là, vous gardez la charnière, là, ici, et vous faites une bretelle ici, on va passer deux fois, voilà, et pareil de l'autre côté, vous essayez de garder la même taille de bretelle, voilà, voilà déjà, hein, elle tiendra au moins cette salopette, parce que sinon, elle ne va pas tenir notre salopette si on ne met pas de bretelle. Et là, bon, voilà, je colorie maintenant. Et voilà, donc la base. Ah, déjà, hein, ça commence à avoir l'allure, comme clairé. Et ensuite, je vais dessiner, vous savez, la petite sangle là, qui fait le tour. Hop. Au niveau de la jonction, hein, des deux parties, c'est facile, comme ça, ça vous donne une base à suivre facilement. Voilà, si je mets mes... Et voilà, j'ai fait tout le tour. Toc, comme ça. Ensuite, ben, je n'ai plus qu'à coller mon petit autocollant, mon œil, je dirais. Hop, je détache ça et je vais le mettre donc ici, pof, voilà mon œil. Il ne me reste plus qu'à faire les pieds et oui, j'ai aussi quand même un petit tour de, j'ai fait un petit tour, un petit trait noir quand même pour le faire ressortir un petit peu plus. Voilà,
Et maintenant, ben, un peu de plaid de noir pour faire les pieds. Touc. Voilà, pour faire le support. Ce sera la base de mon mignon. Et pof. Voilà, je fais une sorte de triangle là. Ce seront les pieds de mon mignon. Voilà. Il est canon. Est-ce qu'on le voit bien là? Il est vraiment bien. Ouais. Ouais. Bah, c'est surtout que c'est rapide à faire, quoi. C'est surtout rapide à faire. Alors je vais vous le montrer aussi un peu plus de face. Je viens de réaliser devant vos yeux ébahis. Regardez, il ressemble quand même sensiblement à l'autre, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors évidemment, on peut aussi créer un petit bob avec ses deux yeux. Il suffit de rajouter un œil à côté. Ah, oulala, j'allais oublier un truc, dis donc. Les cheveux, bon sang de bois, les cheveux, j'ai pas fait les cheveux. Ah. Ben oui, oui, les cheveux, ben, hop, voilà. Ah ben oui, quand même. Voilà. Ah oui, oulala, quelle erreur grossière. Voilà, donc c'est quand même beaucoup mieux hein, avec ses cheveux. Ah, puis ce qui est sympa, c'est que c'est de la récup aussi. Ah bah c'est que ça coûte rien. Ouais. Voilà, ouais, en plus vous pouvez faire comme je disais tout à l'heure, un petit objet mystère, un petit objet qui contient des secrets et tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a bien plu en tout cas. Et ben je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos un peu étranges et tout. Et surtout, bah, abonnez-vous, partagez. Ciao.